Alain Carignon, de retour au conseil municipal, 25 ans après son départ et ses affaires judiciaires, c'est un coup de projecteur braqué sur un duel très attendu avec Éric Piolle, quitte à éclipser l'autre candidate déclarée, Émilie Chalas. Ils sont les meilleurs ennemis de l'un et de l'autre. Extrêmes tous les deux, ils se battent comme deux coqs, farouchement ayant rangé les femmes derrière eux. Finalement, personne ne parle de bilan, personne ne parle de projet et personne ne veut débattre. Ça fait depuis 2 mois que je demande à Éric Piolle et à Alain Carignon de faire un débat thématique par mois et qu'à ce stade, je n'ai aucune réponse.